Absalom. Nous voulons savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites parmi nous à l'événement ? Mais c'est toujours un plaisir pour moi de venir à des soirées qui sont dédiées à la musique arabe, qui est un art majeur dans la culture arabe en général. La musique arabe, on le sait, est féconde d'une histoire riche de plusieurs siècles. Et c'est un moment qui permet de se retrouver, de communier ensemble face, au fond, à quelque chose qui nous inspire, qui nous fait grandir aussi. C'est l'occasion aussi de revoir des amis. Nous avions la chance aujourd'hui d'avoir un musicien de talent, un chanteur de talent, un groupe de talent qui nous a fait vibrer. Donc c'est à la fois un plaisir, c'est à la fois aussi, bien entendu, un enrichissement culturel. Et puis surtout, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble. Et vous avez reconnaissez quelques chansons? Est-ce que vous chantez avec ou pas? Oui, ce sont des chansons qui ont bercé mon enfance, hein, puisque ce sont les chansons que l'on entendait à l'occasion de festivités ou quand la télévision marocaine a commencé à entrer dans les foyers. Moi, je m'en souviens, j'étais encore très jeune. Eh bien, il y avait ces soirées du samedi soir qui nous ont familiarisés avec la culture de nos origines. Donc, ça nous permet aussi de rester fidèles à nos origines. Et je crois que quand les racines sont solides, les fleurs s'épanouissent. Et donc vous avez apprécié du coup? Ah, j'ai fortement apprécié, oui, tout à fait. Je suis un habitué des lieux, hein, donc régulièrement, quand il y a une activité musicale ou une activité culturelle et que j'ai le temps de venir, je viens toujours avec un grand plaisir. Super, merci beaucoup. Avez-vous encore autre chose à dire aux téléspectateurs qui nous regardent? Eh bien, je les salue et je leur dis surtout à la prochaine fois. Voilà, salam alaikum. Merci beaucoup. Savoir qu'est-ce que tu fais ici parmi nous aujourd'hui à l'événement? Je suis venue avec mes parents pour découvrir la culture marocaine, donc tout ce qui est musicalité, etc. Même si je comprends pas trop, on va dire, mais je voulais vraiment faire un pas vers mon pays qui est le Maroc et apprendre sur ma culture, quoi. Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de cette musique, l'ambiance, etc.? L'ambiance, franchement, elle est chaleureuse. Elle n'est pas comme ce que je m'imaginais, mais ouais, elle est chaleureuse. D'accord. Et les chansons, ça te dit quelque chose? Tu as déjà entendu ces genres de chansons? Est-ce que tu chantes avec ou vraiment pas? Non, vraiment pas. C'est vraiment, je découvre, quoi. Et donc, tu aimes bien? Ouais, j'aime vraiment bien. C'est un autre style, un style que j'ai pas l'habitude d'écouter dans mes playlists et tout ça. Donc, ouais, c'est chouette. Si un jour on te repose la question de venir à ce genre d'événement, est-ce que tu reviendrais ou pas? Ah oui, je reviendrai. Ouais, ça ouais. Ok, d'accord, ça va. Merci beaucoup. Donc, salam alaikum, Ismaël Al-Moravid, président de l'association Orphelins du Monde. Nous sommes ici au centre culturel maroco-flamand d'Arcom pour soutenir nos amis Cham Sijil Massi et Younes Bennahem de leur soirée sur la thématique du Maroc, hommage aux grandes voix marocaines. Donc ce soir, voilà, nous sommes réunis ici entre amis, nous soutenons. Bien que je ne maîtrise pas la langue marocaine, ça me fait toujours plaisir de venir aux événements de nos amis, découvrir, on va dire, notre culture en cette veille de Ramadan. Je souhaite déjà Ramadan Moubarak à tous les téléspectateurs, tous les auditeurs de MRE 24, voilà, que ce mois de Ramadan vous soit bénéfique, tant au niveau spirituel qu'au niveau familial. Et pour tous les gens qui sont seuls, je leur souhaite encore plus, on va dire, de courage, de bravoure. Et j'invite tout le monde à se réunir autour des gens, on va dire, plus démunis, pour les aider. C'est vraiment le mois de partage, de solidarité. Donc s'il faut le faire, c'est bien dans cette période de Ramadan. Nous remercions toujours MRE 24 de venir couvrir nos événements, que ce soit caritatifs, culturels comme ce soir. Nous invitons les téléspectateurs à venir découvrir la superbe exposition ici à Darkom sur la famille royale du Maroc, sur Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l'exposition faite par l'artiste Bilal Boufragi. Donc bienvenue à Darkom. Votre maison, notre maison, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Merci à vous. Merci.